tous, on se retrouve enfin, je suis trop contente pour une nouvelle coloration bien sûr. J'ai perdu 2 semaines au moins à essayer de faire partir le lavande que j'avais et encore, regardez, il m'en reste un petit peu ici, il s'est vraiment accroché, je l'ai fait un petit peu trop foncé apparemment. Bon là ce côté, bien sûr il n'y a rien parce que j'avais pas fait de ce côté, mais voilà, j'espère que le peu qui reste ça ne gênera pas pour une prochaine couleur. Surtout que, bon alors... Pour les prochaines couleurs, je sais pas quoi me décider. Donc je me suis fait une petite grille comme ça. Enfin une petite roue plutôt. Avec du rose, du bleu, du vert, du orange et du jaune. Surtout que je sais que donc le vert et le rose sont des couleurs enfin qui s'annulent. Et bon c'est pas du rose mais de lavande, il y a des sous-tons roses. Donc si on tombe sur le vert, j'espère que ça posera pas de problème. Mais en attendant, ben, on va juste faire... Oups. Bon je disais qu'on va juste faire tourner la roue ici pour... notre prochaine couleur. Et ouais, après le bleu, j'ai une autre couleur en tête avec, donc si on tombe sur le bleu, il y aura une autre couleur qui ira avec. Et oh, on est tombé sur l'orange, j'ai cru que c'était le jaune, mais c'est bien le orange. Ok, donc on va se faire du orange. Ok, bah ma prochaine coloration du orange, bien sûr on va le faire en pastel. Et là je pense que ouais, j'ai pas de doute, à mon avis ça va recouvrir, ça va même peut-être aider les dernières traces à partir comme vous voyez. Mais voilà, on va partir sur de l'orange et c'est pas plus mal vu que le soleil là il sort. J'ai vu que lundi on va remonter un petit peu les températures au-dessus de 10, ça va faire du bien. Et du coup ouais, je pense qu'une couleur jaune ou même orange, c'était les bonnes couleurs là pour fêter le retour du soleil, parce que je sais pas vous mais le mois de janvier, oh il faisait froid, on gelait, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Donc quand j'ai vu que le soleil revenait là, oh là je suis trop contente. Bref, on se retrouve dans la salle de bain. La couleur qui pose. Par contre du coup j'ai eu un problème avec mon après shampoing là, j'en avais racheté parce que l'autre était fini, sauf que bon alors là vous voyez, même vous voyez il est bien blanc, mais quand la première fois que je l'ai vu, je l'ai mis pardon dans le truc pour faire la couleur, il n'était pas tout à fait enfin je le voyais pas tout à fait blanc. Et il me restait quand même un petit peu de l'autre peau, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour finir. Et il y avait comme une différence de couleur. Après, je me rappelle vaguement que quand ils sont neufs, enfin, pour moi, quand j'avais déjà mis les autres, quand ils étaient neufs, que j'avais mélangé, j'avais déjà remarqué que la couleur, elle paraissait pas tout à fait blanche. Après, bon, j'ai bien vu qu'en faisant ma couleur, ça avait pas faussé ben, les tons. Après, je sais pas, vu qu'elle tirait un peu vers l'orange, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais voilà, je sais pas, la couleur avait l'air pas blanche, pas tout à fait. Elle tirait un petit peu vers le jaune orangé, mais vraiment très 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 pâle. Et là, je regardais aussi, ça c'est avec l'autre peau. Par contre, j'ai fait un truc où j'ai mis un masque à la kératine, quoi.
Et là, on voit qu'il est bien blanc. Et même, en fait, quand je prends ici et que juste regarde là, même vous, vous voyez que c'est bien blanc. Et je vois bien que c'est blanc. Je me mets à la lumière blanche. C'est vraiment blanc, quoi. C'est pas... Mais du coup, ça m'a perturbée sur le coup quand j'ai fait ma couleur. Je me dis, ah merde, je me suis trompée. Ou alors, ils ont changé la recette. Mais non, non, c'est bien blanc. C'est juste que je sais pas. Des moments, quand il est neuf, je vois pas tout à fait la bonne couleur. J'ai vraiment un problème avec les couleurs, je me rends compte. J'arrive pas à les voir comme il faut et ça me stresse. Mais bon, là ça va, c'est bien truqué. J'ai rajouté un petit peu du orange parce que je l'avais fait peut-être un peu trop clair. Il va peut-être un petit peu avoir du mal en effet sur l'autre. Mais sur les longueurs, j'ai l'impression que ça va bien prendre. Je l'ai refoncé, ouais, parce que j'ai vu que c'était vraiment trop trop clair au bout d'un moment. Je me dis, ça va pas passer, on va rajouter un petit peu et on va voir. Et voilà, on est le lendemain et j'ai mes cheveux, regardez-moi ça. La couleur a bien prise, c'est hyper beau. C'est bien pastel, surtout par ici. Et surtout, hop, si je vous montre, bon, on a vaguement des nuances, mais ça a bien recouvert... le violet que j'avais encore dans les cheveux et pour le reste c'est magnifique. J'ai bien réussi à faire bien pastel cette fois-ci, je pense que ça va bien partir. J'espère bien, mais en tout cas je suis trop fière. On dirait limite il y a des petites nuances de saumon tellement elle est claire. Et aussi un truc que je voulais dire parce que j'oublie à chaque fois de le dire, mais si vous voulez me proposer des couleurs vous pouvez me les mettre dans la description. Vous pouvez me proposer une ou plusieurs couleurs et c'est à moi de me démerder ensuite de faire quelque chose de beau avec mes cheveux. C'est un petit concept que j'ai sur ma chaîne depuis quelques temps maintenant où c'est des commandes capillaires qu'on me donne et bah, j'oublie à chaque fois de le redemander. Donc c'est pour ça que je casse ça là, comme ça voilà, pour une fois que j'oublie pas. Mais sinon, ouais, pour ce qui est de la couleur, au départ quand je l'avais mise, je me souviens, vous savez quand je vous parlais... mon problème avec mon conditionneur là, que je vois pas bien les couleurs. Je voyais la couleur au montage, elle était vachement... On aurait dit en fait que j'avais pratiquement rien mis dans mes cheveux. Et au fur et à mesure qu'elle a posé, je crois que je l'ai laissé poser 1h30. Elle a pris ses aises dans mes cheveux et ça m'a rassurée. Et ça a bien recouvert l'autre. Je me suis dit, bon ça va, c'est passé. Donc heureusement que je l'ai un peu plus foncé, sinon je pense que ouais ça serait tout parti le premier rinçage. Et même là on voit que c'est vachement clair comparé à là où il y avait la couleur. Donc ouais je pense que si j'avais pas pris juste le réflexe de foncer la couleur, elle serait tout de suite partie au premier rinçage, ça aurait été catastrophique. Mais bon, ça a bien marché et du coup on est avec ceci. J'espère que ça va pas non plus s'accrocher trop dans les cheveux. Ce qui m'étonnerait parce que c'est quand même du orange et la dernière fois que j'ai fait du orange, bon c'était une petite partie de mes cheveux. C'était quand j'avais fait, vous savez, le truc arc-en-ciel là derrière. Et le orange, le jaune était parti vachement vite aussi. C'est une des premières couleurs qui était partie, je crois, au bout de deux lavages. Et pourtant, je ne les avais pas fait en pastel. Elles étaient vraiment foncées. Donc là, vraiment, allez, je dis deux lavages et ça part. Sinon, je hurle. Je préviens. Si ça reste, la prochaine vidéo, je commence la vidéo en hurlant. Vous êtes prévenus. Parce que j'en ai marre. Bon, bah moi, je vais vous laisser ici. Je vais bientôt, bientôt vous manger. Moi, je viens juste de me lever. J'ai faim. J'ai pas encore mangé. Et on se retrouvera pour la prochaine fois. Bisous!